Ouais, il y a le son avec. Non, il y a pas les emplacements pour les verts. Qu'est-ce que t'écoutes? La musique. Alonso. Qu'est-ce que tu regardes, Kenny? Ah, je regarde Tottenham Dustfield. Alors, ça donne quoi? 2-0 pour Tottenham. Là, c'est Léo, qui était central gauche. Central gauche. Et le jeu est où? Bah, le jeu, il est là. Le bloc, il est là. Donc, je le dépasse là, il est là. Ce soir, tu dois être collé à Léo. Pour justement, en cas de transition, là, ça va permettre à Léo de se décaler en plus un peu plus côté jeu, chacun. Et d'être vraiment en équilibre défensif. Et lis un bon petit QG. C'est un coach que j'ai lu, attention. Ah, c'est pour ça. J'ai un closer si tu veux. Oh, écoute-moi. J'ai un closer si tu veux. J'ai Brad Pitt et Johnny Depp, tout ça. Passé, non, c'est bon. Ouais, c'est un jour spécial, ouais, c'est le dernier match. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas où là? Parce que j'ai signé dans un club à La Réunion. Donc je pars bientôt, je pars la semaine prochaine. Ouais, c'est la première division là-bas, un club de R1 qui m'a contacté ben, grâce aux vidéos de United et de compagnie pour aller jouer là-bas. Ouais, c'est une offre que je ne pouvais pas refuser. Il y a le soleil et tout là-bas. Et ouais, à mon âge, ouais, je pouvais pas refuser ça. Bon, pour l'instant, je réalise pas trop. Pour l'instant, c'est un samedi comme un autre. Mais je pense qu'à la fin du match, ouais, là, je vais commencer à y penser. Ça peut être un match piège. Après, il va falloir se le rendre facile. Il va falloir marquer assez rapidement et si on arrive à marquer rapidement, je pense que on peut réussir à gérer le match. Et va pas falloir tomber dans leur piège qui va être à mon avis marquer un contre et de fermer derrière. Même s'ils décident de jouer long, vous êtes placé, ils jouent long, vous êtes au deuxième ballon, les premiers ballons, les deuxièmes ballons. Ne les mettez pas dans leur confort de jeu, ça c'est hyper important. De continuer sur notre rythme, le chemin est tracé, maintenant il faut le prendre et ne plus s'arrêter, quoi, et pas regarder derrière nous, continuer à penser à nous, à avancer et à la fin on récoltera le salaire de ce dur travail sur toute la saison qui sera l'obtention de notre objectif, la montée en National 3. Aujourd'hui. Allez, force, par contre, ça va pas être facile. On sait le genou, hein. Je rien, le terrain est petit. C'est une équipe bon, accrocheuse. Si mais c'est important, les gars, aujourd'hui. Tiens. Hein. Attention là, Kevin Breillet qui a de l'espace. Il se met sur son pied gauche là et la frappe bien arrêtée. C'est un petit peu excentré. Il y a un peu d'espace pour Ludo. Allez, belle sa frappe. De l'espace là-bas pour Alexandre De Wilde et le centre et la tête et ça passe à côté et c'est dans le mur, c'est pas fini la reprise et ça passe au-dessus. Allez, Boris Kiéti avec Léo Hamel, c'est bien joué, ça Ben Renault qui est passé devant. Oh, c'est repoussé par Valentin Boisivon et Ludo Pancrate. Oh, quel arrêt, quelle détente, bravo les deux. Ben Morel, la frappe, c'est encore par le top. Attention, ce coup franc est bien tiré. Ouh, c'est Stéphane Vaillant qui a... Tout de suite, hein, cette frappe-là encore. Guerrier qui a un petit peu d'espace là, avec Ben Morel. C'est bien joué pour Ben Renault sur son pied gauche. Il se remet sur son droit. Oh, il fait le festival là, et c'est une bonne intervention de Valentin Boisivon.
bien joué ça. Une touche de balle pour Ben Morel. Ça, ah, y a quand ça même reste des encore. Ouais. Ça reste dans les pieds. C'est ça. Contre Flair. Ça, c'est la même chose pour la Gécamp. Et c'est reparti pour cette seconde période. Attention à la récupération, il s'est présente tout seul. Y avait-il en jeu? David Pancrate, c'est pour Ben Renault, la tête. Oh, c'est sauvé sur la ligne. Un contre avec Breillet face à Julué qui se remet sur son pied droit. Breillet, il a enveloppé. Allez, Léo Hamel, il a fait la différence, Léo Hamel. Avec Victor Guerrier, c'est bien joué pour Victor Guerrier du pied gauche peut-être. Non, c'est sauvé par Valentin Boisivon, c'est pas fini encore. Ben Morel pour Léo Hamel. Ah, le petit ballon pour Ben Morel, penalty, ça se bat encore. C'est penalty, une main du défenseur central. Benjamin Morel qui trompe Valentin Boisivon qui était bien parti. Et la Gécamp qui prend l'avantage dans cette rencontre. C'est bien tiré là-haut sur le poteau. Et pour Ben Morel, c'est passé, le doublé, non, c'est sur la barre transversale. Et cette fois-ci, eh ben c'est Ben Renault. C'est Ben Renault. C'est Ben Renault qui nous fait une danse Fortnite. Ben Sauveur. Benoît Sauveur qui fait la différence, qui s'entre en retrait pour Alex Diaz. Oh, quel sauvetage encore de Valentin Boisivon. La 14e victoire de la saison pour la Gécamp face à Ducé. Difficile ici parce que à chaque fois c'est que des duels par le passé, à chaque fois c'était ça et on a su sortir de ce traquenard de duel. Après le terrain était jouable contrairement à la semaine dernière où c'était très compliqué, donc on a quand même vu du football. Et ici on sait que c'est souvent un duel physique avec beaucoup de longs ballons, on a essayé de poser le jeu à notre manière, on s'est créé quelques situations pour un mi-temps, on a manqué de sur la finition et on n'a pas lâché, en deuxième on est récompensé, donc c'est bien pour l'équipe. On est passé beaucoup dans l'axe mais on arrivait à trouver des 1-2 et des bons décalages avec des situations de frappe. Après c'est vrai qu'on aurait pu peut-être exploiter un peu plus la largeur mais comme je l'ai dit, voilà, aujourd'hui on retiendra surtout les 3 points qui sont importants ici, c'est toujours difficile de gagner et on continue notre marche en avant vers l'objectif final. Ouais, j'ai quand même assez dépanné sur mes dernières saisons, un peu à gauche, à droite, dans l'axe et puis au milieu, bah voilà, j'ai essayé de faire le maximum et puis en montrant au coach que bah, je pouvais servir un petit peu aussi à l'effectif. Et puis ça fait plaisir de jouer pratiquement un match entier. Ça faisait longtemps, donc ça fait du bien au moral. Okay. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Des buts. Mmh. Beaucoup de buts. Pas comme cette saison parce que je n'ai pas trop mis, mais des buts, ouais. Okay. On t'aime, Ludo.